Sa saison à peine entamée, le PSG est déjà en proie aux difficultés. Pas sur le plan des résultats, puisque l'équipe est en tête du championnat de France, mais au niveau de son effectif. Car si Paris a pu recruter l'Espagnol Juan Bernat avant la fin du mercato, vendredi 31 août au soir, le journal L'Équipe rapporte ce samedi qu'un autre latéral gauche du club pourrait faire faux bond à son équipe pour plusieurs mois. Levin Kurzawa souffre en effet de douleurs récurrentes au dos et avait jusqu'à présent opté pour le repos. Seulement, le joueur n'est pas encore rétabli et doit désormais envisager l'intervention chirurgicale. Le quotidien précise que le staff médical du PSG doit encore valider l'opération, mais si cette dernière se concrétisait, l'absence de Kurzawa pourrait avoisiner les deux mois. Tout cela sans garantie d'éviter une rechute à son retour. Le nouveau latéral gauche du club, Juan Bernat, arrive pour sa part de Munich, où il n'était que remplaçant. Autre solution à ce poste défensif, le jeune Stanley Nsoki, issu de centre de formation parisien, est talentueux mais inexpérimenté. De quoi donner quelques sueurs froides à Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain.